Si est-ce le mariage auquel plus personne ne s'attendait? Si la princesse Béatrice et Eduardo Mappelli-Mozzi devaient se dire oui le 29 mai dernier, leur union avait été reportée en raison du coronavirus. Alors que le duo s'était résolu à se marier courant 2021, il semblerait qu'il n'aille pas pu attendre jusque-là. Afin de prendre le moins de risques en raison de la pandémie mondiale, la princesse Béatrice et son époux ont invité une vingtaine de personnes. Ainsi, Kate Middleton, le prince William, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas pu assister à l'union des tourtereaux. Cependant, nul doute qu'ils seront ravis de découvrir les clichés de cette magnifique cérémonie. Il y a quelques heures, le compte Instagram de la famille royale britannique a en effet posté deux premiers clichés du mariage secret de la fille du prince Andrew et Sarah Ferguson. Sur le premier, la princesse Béatrice et son époux prennent la pose à un mètre de distance de la reine Elisabeth II et du prince Philippe. Sur la seconde, si est-ce sous une arche de fleurs que la jeune mariée affiche un sourire espiègle. En légende de ces photos, on peut également lire « Félicitations à Sarah, la princesse Béatrice et à M. Eduardo Mappelli-Mozzi. Le couple s'est marié lors d'une petite cérémonie privée à la chapelle royale de Tous les Saints au Royal Lodge, Windsor, le vendredi 17 juillet. La princesse Béatrice et M. Eduardo Mappelli-Mozzi ont célébré leur mariage avec leur famille la plus proche. L'heureux couple est photographié avec Sa Majesté la Reine et le Duc d'Édimbourg. La princesse Béatrice portait une robe vintage de chez Norman Hartnell et le diadème à franges de diamant Queen Mary, qui ont tous deux appartenu à Sa Majesté la Reine. Le diadème a été porté par Sa Majesté le jour de son mariage en 1947. Focus sur le bouquet de fleurs de la jeune mariée sur les différents clichés, on peut apercevoir la princesse Béatrice un bouquet de fleurs à la main, composé de jasmin et de différentes variétés de roses. Conformément à la tradition royale, des brins de myrte ont été inclus dans ce bouquet réalisé par Patrice Van Elden, copropriétaire de RVH Floral Design. Toujours dans la tradition royale, le bouquet de la mariée a été placé sur la tombe du soldat inconnu à l'abbaye de Westminster.